Bonjour à tous, c'est Cédric, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et bien sûr, je ne perds pas de temps pour vous souhaiter une très bonne année 2020 avec plein de bonnes résolutions sur le chant, sur la musique, sur votre parcours que vous avez envie de tracer en tant que chanteur. Alors, plein de bonnes choses pour vous. Alors, être chanteur, c'est aussi bien placer sa voix. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un exercice avec vous, on va travailler ensemble, sur un petit mot tout simple qui va vous permettre de placer votre voix plus devant, plus dans le visage, le son un peu plus brillant. C'est un exercice qui va permettre de rééquilibrer un petit peu les résonances que vous pouvez avoir au niveau du nez, au niveau de la bouche, au niveau du pharynx, toutes les zones vibratoires, d'accord ? Parce que le problème, quand on chante ou quand on fait des exercices, c'est que la résonance ne se place pas forcément au bon endroit, ce qui fait que ça crée des constrictions au niveau de la gorge et on force, on pousse. Donc à travers cet exercice, j'aimerais qu'on puisse s'apercevoir que nous n'avons pas de tension qui arrive en faisant cet exercice. Alors, si vous ne le faites pas correctement, bien sûr, vous allez sentir certaines tensions. Donc, il est important de bien suivre ce que je vais dire. D'accord ? Donc, face à un piano ou avec un professeur de chant, c'est quand même beaucoup plus simple de travailler avec un coach qui va pouvoir vous dire « Ah, attention, là, tu ne fais pas ça correctement, tu ne places pas au bon endroit. » Parce que, bien sûr, là, ça va vous donner une certaine direction, mais ce n'est pas pour autant que moi, je serai là pour vous écouter et vous dire « Bah, y a un petit problème par rapport à ça, il faudrait plutôt que tu fasses comme ça. » Donc, faites-vous accompagner d'un coach vocal. Moi, je me ferai un plaisir de vous accompagner, si vous le souhaitez, aussi bien par Skype ou directement ici à mon studio à Évreux. Donc, bien sûr, avant de commencer, on respire bien. C'est important de bien respirer, vous le savez, c'est vraiment la base du chant. On respire et c'est dans l'expire qu'il se passe quelque chose au niveau phonatoire. Donc, c'est un exercice qui est plutôt simple et qui va vous aider à placer le son bien devant. On va prendre le mot « miam ». Miam, 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 d'accord ? C'est comme si vous voyez une belle tarte aux fraises, un éclair au chocolat, une religieuse, enfin, le dessert qui vous plaît le plus. Et en regardant ça, vous vous dites, miam, 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 on va se régaler. Miam, 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 tout simplement. Miam, miam, miam. On va juste s'attarder un petit peu sur le M avant de glisser sur le I et sur le A. Miam, miam. Et on va essayer de lier un petit peu tout ça bien attaché. Ok ? Les garçons, on part ici. Miam, 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 miam. Et les filles, vous pouvez directement prendre à l'octave supérieure, juste ici. Ok ? On y va ? C'est parti. On respire bien. Miam, 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 miam. 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 Allez. Miam, 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 miam. Miam, 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 miam. Tiens bien le M. Miam, 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 miam. Allez les filles. Descends un peu. Miam.
miam 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 miam. Miam 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 miam. Ok, alors, comment vous sentez-vous? Si vous avez fait les choses correctement, miam miam miam, en appuyant bien le petit M avant, le son se placera correctement. C'est une bonne manière de régler les balances, comme je vous ai dit, entre la bouche, le pharynx et le nez, avant de chanter. D'accord? C'est un bon exercice. Bien sûr, ce n'est pas le seul qu'il faut faire pour s'échauffer. Ça, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, je vous invite à me rejoindre dans mes cours de chant pour faire un échauffement complet du début jusqu'à la fin, avant de commencer de chanter. Ça, c'est important. Mais ça, c'est un bon exemple d'exercice pour placer votre son devant. Ce qui vous permettra par la suite, si vous respectez bien le placement, de pouvoir monter, de passer à travers vos différents registres pour atteindre vos aigus comme vos graves. Mia, 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 mia. D'accord ? On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Encore une très bonne année. Et ça va être une bonne année encore, hein, puisque on va continuer, on va travailler ensemble. Plein d'astuces pour votre voix, pour votre souffle, pour votre bien-être, tout simplement. Une très bonne fin de semaine à vous. À bientôt. Bye bye.